Ravi de vous retrouver à la télévision Isanganiro à la une de l'actualité de ce jeudi 2 décembre. Le Conseil national de communication a un nouveau patron. Il s'agit de l'ambassadeur Willy Nyamitwe, élu à l'unanimité. Quelle originalité apporte-t-il? C'est à suivre dans ce journal. Les habitants du quartier dit Oyua, en zone Kinindo, disent avoir peur de sortir la nuit. À l'origine, un hippopotame errant, surtout les soirs. D'ailleurs, cet animal a déjà détruit la clôture de ce quartier. Nous y reviendrons. L'ambassadeur Willy Nyamitwe a été élu comme président du Conseil national de communication ce jeudi. Chanel Sabimbona, quant à lui, a été élu secrétaire exécutif de cet organe. Qu'apporte-t-il de nouveau? Suivez. Je n'apporte rien de nouveau parce que je ne réinventerai pas la roue. Je viens apporter ma contribution à l'édifice, comme je vous l'ai dit. Je viens apporter ma contribution au travail qui était déjà abattu par les membres du Conseil national de la communication ici présents. Et en collaboration avec vous, je suis persuadé que nous parviendrons à asseoir, à renforcer la liberté de la presse dans notre pays, tout en respectant les lois en vigueur, tout en mettant en avant la sécurité et les intérêts supérieurs de notre nation, et tout en protégeant les us et coutumes de notre pays. Mais je suis sans ignorer qu'il y a eu suspension ou sanction à l'encontre de certains médias comme la BBC et la Voix d'Amérique. Mais également, vous êtes sans ignorer, la BBC, elle n'est plus dans la même situation qu'avant. Il lui appartient de réintroduire sa demande, puisqu'il n'y a plus de contraintes, mais la Voix d'Amérique est toujours suspendue. Mais également, vous savez que le président de la République, Son Excellence Évariste Ndayishimiye, le 28 janvier de cette année, lorsqu'il réunissait les professionnels des médias et les journalistes et les associations des professionnels des médias, il a été clair, il a demandé au Conseil national de la communication de diligenter une étude assidue afin de déterminer quels étaient les blocages et de voir dans quelle mesure ces blocages pourraient être levés. Et c'était un slogan, jamais sans les médias. Alors, si je suis ici, je ne prendrai pas une décision seule. C'est un travail collégial, un travail de commission. Et tous les membres ont déjà un pas franchi et je viendrai apporter seulement ma contribution dans cette démarche de pouvoir cheminer vers la mise en œuvre de cette politique d'ouverture et de proximité du président de la République, surtout jamais sans les médias, parce qu'il veut que les médias soient avec le président. Le nouveau patron du Conseil national de communication appelle également les journalistes à se conformer aux lois en vigueur. Le Conseil national de la communication, dans son rôle, c'est la liberté de presse. C'est ça son rôle. Nous sommes là pour asseoir cette liberté, continuer à garder cette liberté afin qu'elle ne soit pas piétinée par qui que ce soit. Toutefois, moi-même, j'ai été témoin des tricheries qui se font dans ce métier. J'ai vu certains journalistes qui exhibent leurs cartes quand ils sont pris en flagrant délit d'autres fautes. J'ai été dans certains cachots pour essayer de faire libérer des journalistes, mais qui étaient en état d'ébriété et qui s'étaient chamaillés avec la population. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de journalistes qui ont été empêchés d'exercer leur métier conformément à la loi. Cela existe. Raison pour laquelle le Conseil national de la communication examine des plaintes qu'il reçoit et trouve des solutions dans le respect de la loi et aussi pour l'intérêt et
des journalistes et des consommateurs de l'information. Donc, cela sera sur notre table, comme ça a toujours été sur la table du Conseil national de la communication. Et je le répète, je ne viens pas pour réinventer la roue, mais que ce soit vous, les professionnels des médias, que ce soit les différentes autorités, que ce soit les consommateurs de l'information, nous sommes tous dans cette dynamique du chef de l'État de promouvoir la liberté de la presse, la liberté d'expression, qui est un droit constitutionnel, et toujours aussi dans le respect, je le répète, des lois qui sont en vigueur, dans le respect de nos us et coutumes, et dans le respect des intérêts supérieurs de notre nation, en renforçant notre sécurité, qui est très important, primordial, pour que nous puissions cheminer vers le développement de notre nation. Pour rappel, l'ambassadeur Willy Nyamitwe avait été nommé par un décret du 18 octobre comme membre du Conseil national de communication. Et il a également été approuvé par le Sénat le 25 octobre comme ambassadeur. Monsieur Nyamitwe et Chanel Sabimbona ont tous été élus lors d'une assemblée extraordinaire de cet organe régulateur des médias du Burundi ce jeudi. Parlons à présent agriculture. Investir dans le secteur horticole est l'un des préalables qui contribuerait à l'augmentation des exportations du Burundi. Propos de Désiré Moucharitse, directeur AI de l'Agence de développement du Burundi, lors du lancement de la première édition du Salon horticole ce jeudi. Les problèmes liés aux unités de transformation et au marché sont certains défis évoqués par les participants à ce salon. Jean Dautieu, Ilakotse. Investir dans le secteur horticole est l'un des préalables pour diversifier les exportations du Burundi, indique le directeur général AI de l'Agence pour le développement du Burundi au cours du lancement de cette première édition du Salon horticole au Burundi. Pour compétir avec les autres sur le marché international, on doit en premier lieu investir un capital assez suffisant. Deuxièmement, on doit améliorer nos techniques liées aux activités de notre production, ce qui nous mènera à l'exportation. Le secrétaire permanent au ministère en charge de l'agriculture trouve que ce salon est le moment de montrer le stade franchi dans ce domaine, une occasion d'appeler investisseurs à promouvoir ce secteur. J'appellerai également les entrepreneurs à soutenir le secteur horticole, surtout via sa multiplication, sa promotion, mais également en implantant les entreprises ou usines de transformation. Je lancerai aussi un appel surtout à la BBIN à vouloir bien veiller à ce que toute transformation soit dans les normes et remplisse toutes les conditions exigées. Au moment où certains participants à ce salon disent que le manque d'emballage et le marché d'approvisionnement leur posent problème, ce cultivateur de manguier explique qu'il fait face au problème de marché d'écoulement et unité de transformation. Le client venait car il dispose des unités de transformation des jus. Ici, ces unités ne sont pas nombreuses. On avait des clients du Rwanda et peu du Congo. Ce salon a été organisé par l'Agence de développement du Burundi et durera 2 jours. Je vous le disais en titre, les habitants du quartier dit Oyua, en zone Kinindo, en mairie de Bujumbura, s'inquiètent de l'hippopotame errant dans ce quartier, surtout la nuit. Cet animal aquatique a déjà d'ailleurs détruit la clôture de ce quartier à la recherche du pâturage, comme l'indiquent certains de ses habitants. C'est un reportage signé Omer Douayo. Cet hippopotame qui fait paniquer effectue une distance d'environ 1 km à partir du lac Tanganyika jusqu'au quartier Oyua après avoir traversé l'avenue du Large.
L'un des agents de sécurité dans ce quartier dit que cet animal visite plusieurs ménages où il s'est créé de passage à travers la clôture. Cet hippopotame a l'habitude de passer tout près des appartements de l'INSS. Il détruit la clôture avant d'entrer pour brouter l'herbe. Il a déjà détruit plus de 3 endroits sur cette clôture. Il n'y a pas de dégâts humains, mais les habitants ont peur. Cet amphibie détruirait tout sur son passage, voire leur jardin, à en croire les dires de certains habitants de l'Oyua. J'ai déjà vu cet hippopotame. Souvent, il entre ici vers 20h. Je l'ai aperçu avant-hier dans mon champ d'haricots. Il a brouté toutes les cultures de haricots, de maïs et de légumes. Rien ne pousse là où il piétine. Il peut même arriver entre 17h et 18h. Il ne cherche que du pâturage. On ne peut pas l'approcher. On se met au moins à 50 mètres car il est trop sévère. Sensibiliser la population à éviter la confrontation avec cet animal est l'une parmi d'autres activités que mène l'administration locale, explique Jean-Marie Ndouimana, chef du quartier. Il a commencé à sillonner ici vers la fin du mois d'octobre. Quand il entre, il peut errer dans le quartier durant toute la nuit. Nous avons donné le rapport à nos autorités supérieures et à la police, mais nous sensibilisons les habitants à rester prudents. Nous demandons aux autorités habilitées d'intervenir à temps avant que les dégâts humains ne se produisent. Cet hippopotame qui sème la panique au quartier Oyua, il y a presque un mois qu'il sillonne ce quartier pendant la nuit. Le manque de données fiables sur les personnes handicapées est l'un des obstacles à leur inclusion dans les projets et programmes de développement. S'assurer que les lois et les politiques nationales répondent aux besoins des personnes handicapées est l'une des recommandations issue d'une table ronde qui a eu lieu ce jeudi. C'est au moment où, ce vendredi, le monde célèbre la Journée internationale des personnes handicapées. Armel Montore. Les besoins et les préoccupations des personnes handicapées devraient être pris en compte dans l'élaboration des programmes de développement. C'est la plaidoirie de Léonard Nkunzumuhari, directeur exécutif de l'Union des personnes handicapées du Burundi. Les acteurs devraient prendre en compte la spécificité des besoins des personnes handicapées dans tous les secteurs de la vie de la personne humaine, et ce que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau du travail et de l'emploi. L'indisponibilité des données statistiques en rapport avec les personnes handicapées est l'un des obstacles majeurs pour pouvoir exposer l'ampleur du problème afin d'élaborer des programmes adaptés à leurs besoins, comme le souligne Damien Mama, coordinateur résident du système des Nations Unies au Burundi, qui a participé à cette table ronde. C'est fondamentalement une question d'information et de données. La plupart du temps, les gens sont de bonne foi. La plupart du temps, parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils ne sont pas suffisamment sensibilisés. Et c'est pour ça que nous devons renforcer la question des données, disponibilité des données, la question de l'analyse commune et la question de la sensibilisation. Vous savez, si on réussit à mettre dans la tête de chaque décideur l'importance d'intégrer la question du handicap, ça aura un effet beaucoup plus transformateur que les actions qu'on mène ça et là en direction d'un groupe d'handicapés, de personnes handicapées, ou bien on assiste telle personne vulnérable, etc. Je pense qu'on doit aller au-delà de ça. Le directeur général de la Solidarité nationale et de l'assistance sociale dit que l'ISTEBU les a consultés pour élaborer le questionnaire en rapport avec la collecte des données sur les personnes handicapées lors du prochain recensement général de la population de 2022. Il se dit confiant de pouvoir avoir ces données avec ce recensement. On avait tenu une réunion, je crois que c'était le 25 juin de cette année, avec les parties prenantes, recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture, de l'élevage de 2022. On avait touché de cet aspect par rapport à la disponibilisation des données statistiques. Donc, ces parties prenantes ont été très touchées, sensibilisées,
raison pour laquelle l'ISTEBO a tenu même nous a envoyé partager nos questionnaires avec le ministère également, avec les représentants des personnes handicapées, et pour pouvoir émettre nos propositions, nos recommandations. La Journée internationale des personnes handicapées est célébrée tous les 3 décembre depuis 1992. En international, direction Allemagne, où une bombe de la Seconde Guerre mondiale a explosé ce mercredi sur un chantier proche de la gare de Munich dans le sud de l'Allemagne, faisant ainsi 4 blessés et interrompant le trafic ferroviaire. Images et commentaires d'Euronews. Une bombe de la Seconde Guerre mondiale a explosé mercredi après-midi sur un chantier proche de la gare de Munich en Allemagne. 4 personnes ont été blessées, dont une grièvement. Il s'agirait, selon les autorités, d'une bombe de 250 kg qui n'avait pas été détectée. L'Allemagne est encore truffée d'explosifs de l'époque. Ils sont souvent découverts à l'occasion de chantiers de construction. Merci d'avoir suivi ce journal. Point final. À demain pour un nouveau journal. Bonsoir. Une bombe de la Seconde Guerre mondiale a explosé mercredi.